Et coucou YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ferroviaire. Aujourd'hui, on va expérimenter une nouvelle ligne sur laquelle j'ai pas encore fait de vidéo. Donc la dernière fois, c'était la Schnellfahrstrecke Kassel-Würzburg. Et aujourd'hui, on va aller à Cajon Pass, Cajon Pass. Et on va faire une commande cimentée. Voilà, à bord de la BNSF SD40-2. Un putain de mastodonte, si je puis m'exprimer ainsi. On va faire un petit peu de manipulation d'aiguillage et de voies de garage et de fret. Bienvenue à la cimenterie de Victorville. Aujourd'hui, nous allons mettre wagons et chargements en position pour l'embarquement, le traitement et l'envoi. Super. Alors, c'est un nouveau décor qu'on n'a pas encore exploré et que je trouve personnellement magnifique. Je trouve vraiment super. Tout d'abord, il va nous falloir rassembler des wagons vides à envoyer au nord à la carrière. D'accord. C'est vraiment. Ouais, avec la luminosité, c'est assez sympa quand même. Bon, bah, c'est parti. J'imagine qu'il va falloir monter là-dedans. Voilà. Asseyez-vous sur le siège conducteur. Et bah, c'est parti. Ouh, j'ai déjà une récompense pour avoir utilisé la porte! J'adore ce jeu. C'est tellement gratifiant. Alors, positionnez le manche de l'inverseur sur insérer. Donc, effectivement, pouf, on insère. Positionnez l'inverseur sur marche avant, certes. Voilà. Positionnez l'interrupteur du champ de la génératrice sur on. Hop. Positionnez le frein automatique sur desserrage. Voilà, on desserre. Appliquez de la traction pour vous déplacer. Ok, c'est parti. Manipulateur de traction sur 2. Prochain arrêt, 2737 pieds. Bon, on bouge pas beaucoup par contre. En même temps, je vois qu'on a encore du frein là. Alors, moi je veux bien, mais. Bah, le frein indépendant là, on est sur serrage complet. Alors, bah oui, forcément. Forcément, ça va pas marcher. Alors, du coup, je vais remettre la traction sur neutre. Et là, du coup, voilà, frein. Ah bah oui, quand même. J'ose espérer que ça va changer quand même un petit peu. Ok. Bon. Alors, si on y retourne. Manipulateur de traction sur 2. Bah voilà, d'un coup, on bouge mieux quand même, hein? C'est magique. Miroir. Ouf, les reflets sont bien faits. C'est vaste. Alors, est-ce qu'il faut que j'active les aiguillages moi-même, par contre? Ça, ce serait intéressant de le savoir. Je dois m'arrêter là. Donc là, je suis sur cette voie-là, ok. A priori, c'est bon. Ah voilà. Donc là l'aiguillage est réglé correctement a priori. Voilà. Ok, là ça devrait le faire. Il faudrait que je freine un petit peu quand même. Attendez, hop. Du coup. Pas que je dépasse les limitations de vitesse. Voilà.
Ok, c'est bon, l'aiguillage est correct. On est un peu en descente, donc je vais quand même laisser le frein. J'aimerais bien le laisser sur 10%. Voilà. Là, on est bon hein, en termes d'aiguillage. On va bien aller à droite. Ça donne envie de mettre de la country en fond sonore. Hein. Some moments back in time, I could swore that I was in it, down to every minute. Don't know what I was sipping, but I felt like I was doing fine. Oh my, turns out that I just got. Voilà, objectif atteint, ok. Attelé à la formation. Oui, enfin, j'aurais pu continuer, quoi. Hein. C'est pas la peine de me demander de m'arrêter ici. Ok, la formation, 12 véhicules. Ok. On repasse en marche avant. Et donc on va atteler à la formation, à cette formation-là, encore 12 wagons supplémentaires. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Peut-être un peu plus. Carrément plus. Voilà. Attendez quelques instants. Ok, donc j'imagine que ça va s'atteler tout seul. Ok. Aller via l'emplacement. Cimenterie. Alors, ça se situe où ça? Donc là. D'accord. Donc là, c'est notre train avec tous ces wagons. On est sur cette voie-là. Il n'y a pas d'autres wagons sur cette voie-là. Ok. Bon, bah. Je crois que c'est clair. Du coup, là, l'aiguillage dans ce sens-là. Ici, dans ce sens-là. Et là, c'est bon. Ok.
Bon, bah, c'est parti. On continue. Ah, c'est vraiment une super longue formation. Parti. Alors pour les dételer, du coup, barre de découplage. Barre de découplage. Bim. Voilà, tout simplement. Attendez quelques instants. D'accord. Objectif atteint. Maintenant, arrêtons-nous comme indiqué. Ok. Donc, on desserre les freins, l'inverseur en marche arrière, purge des freins ici, ah c'est beau, c'est vraiment super sympa.
Trop tôt? Ok, trop tôt. Objectif atteint, d'accord. Maintenant, placement d'arrêt comme indiqué, là-bas. Ok, donc il va falloir changer l'aiguillage. Effectivement, ici. Donc, on doit se foutre là. Ici, l'aiguillage, il est correct. Voilà, donc c'est juste. Ah, c'est juste celui-là à changer, quoi. Ok, ça marche. Donc, marche avant, purge des freins, c'est parti. Oh, quel son! L'aiguillage, donc celui-là il est bon, c'est celui-là qui est à changer. Ouais, effectivement, là on voit qu'on part à droite, il faut partir à gauche. Donc voilà, parfait. Et bah alors, ah oui, ok. Let's go. Ok, ça marche bien. Parfait. Taught her how to shoot. Daddy didn't play no games.
Ok. Objectif atteint. Bon, maintenant, on va changer de sens. Faut aller là-bas. Ok, d'accord. Allez, c'est parti. Là, avec tout le poids qu'on se trimballe, j'ai pas de traction et pourtant on accélère alors qu'on est que à 0,3% en pente. Voilà. Maintenant, emplacement d'arrêt comme indiqué. Alors, c'est-à-dire, où est-ce qu'il faut qu'on aille là? Il faut qu'on aille là. Et pourquoi il nous a fait passer par là alors? Il est con? Ah oui, non, ok. Donc ça, on change. Ok, ça, comme ça. D'accord. Allez, c'est parti. Donc. Tac. Tac, tac. Let's go. Okay.
varie comme un liqué. Ok. Allez, c'est parti. Un peu loin là. Ok, objectif atteint, d'accord. Nouvel emplacement d'arrêt qui doit se situer du coup ici. Donc là, l'aiguillage, on le change. Pardon, c'est celui-là qu'on change. Voilà. Alors, faut pas se gourer. Il s'agit bien de cette voie-là. Ok. Voilà. A priori. Ça devrait être bon. Allons-y, testons. Et ça devrait le faire. Ok, donc là on demande de dételer. Du coup, oh la vache, je vois rien du tout. J'ai pas une lampe de poche. Ça, j'ai dépassé le wagon, je vois même plus où il est. Voilà. On voit que dalle. Je me fais attaquer par un coyote, je vois rien du tout. Je vois rien venir. Je suis sûr que dans cette région c'est possible. Objectif atteint. Emplacement d'arrêt. Et je retourne dans ma cabine sécurisée, je ferme la porte. J'ai peur de deux choses, des coyotes et des zombies. Ok, donc inverseur marche arrière, purge de frein, et donc l'emplacement c'est juste ici. Donc là, ça c'est bon, ça aussi. Ça aussi, ça devrait le faire. Normalement, je n'ai à toucher à rien. Ok. Donc là, comme ça. Oh, attends. Du coup, idéalement, il faudrait que j'aille. Ouais, c'est ça, sur les lignes bleues. Donc, là-haut. C'est bon, là je touche plus à rien. Ici, dès que j'aille. Ok, comme ça. Voilà, ok, là ça devrait le faire. Allez, c'est parti. Serrage complet. Objectif atteint. Maintenant, encore un autre emplacement d'arrêt. Je me demande si ça va terminer un jour. Enfin, bon, bah à mon avis, ça doit être la fin, ça. Quand même. Voyons. Donc, il faut que je prenne ici. Ça, c'est juste. Là, du coup, il faut que je prenne à gauche. Là aussi.
Ok, ça c'est correct. Ok, a priori c'est correct. Je pense que c'est le dernier arrêt. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que la météo dynamique et le cycle jour-nuit fonctionnent vraiment bien. Ça, c'est clair, il n'y a rien à redire. Ok, c'est bon. Voilà. Ouh, bah dis donc. Ah ouais, c'est bam 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 bam. Oh, la vache. Commande cimentée, médaille d'argent. Bon. Temps passé, 1h18. Eh ben dis donc. Bon. Heureusement, on n'a pas la précision à l'arrêt, parce que sinon ça ferait mal. Il n'y a pas de truc attendu. Ok, bon, il n'y avait pas de pression. Ouah, c'était un scénario qui était très technique. Même si en termes d'opérations d'attelage, d'ételage, conduite, il y avait probablement plus technique, largement plus à faire. Mais ça reste aussi un type de circuit intéressant, enfin de scénario intéressant à réaliser. Ça change du transport de passagers, quoi. J'espère que le scénario vous aura plu malgré tout. N'hésitez pas à commenter et bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ferroviaires ou aériennes. Salut les amis!